Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nuance Reborn. En dessous de cette vidéo, c'est tous abonnés. Abonnez-vous, partagez la vidéo parce que ce que nous allons découvrir ensemble ici, c'est pas du jeu. Et ça parle de la musique. Ça parle du satanisme dans la musique. Ah! Le satanisme dans la musique, industrie de l'industrie de la musique. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la face même cachée de la musique d'aujourd'hui. Ce qu'on appelle la musique profane. Danger. Et aujourd'hui, nous avons découvert des choses que nous avons envie de partager avec vous. Est-ce que vous êtes prêts, mes frères et sœurs? Allons au studio. C'est parti. Si vous n'êtes pas abonné, vous l'avez dit, abonnez-vous maintenant. Et soyez prêts. Que voulez-vous, mes frères et sœurs? Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça, mes frères et sœurs? Ce n'était pas prévu. Mais c'est ça. C'est incroyable. Regardez bien. Et dites-nous exactement ce que vous voyez. Ici, on voit Nuance Reborn qui est là. Et en même temps, on voit une personne qui est cachée juste là ici. Et cette personne est en colère, comme s'il s'agissait d'une possession démoniaque. Et ici, on voit une personne qui est habillée de façon très sexy. Et cette personne-là a fermé un œil ici. Et pendant qu'elle chante, on voit qu'il y a vraiment un œil qui est carrément fermé. Et la plupart du temps, on voit cet œil-là partout et chez les superstars. Qu'est-ce que c'est? Tout ça provient. Nous allons tout découvrir ici dans cette vidéo. Regardez, vous allez voir, mes frères et sœurs, un truc très étonnant, très alarmant que nous avons découvert aujourd'hui. La musique que vous écoutez tous les jours a un double sens. Avez-vous déjà fait cet exercice-là qui est de tourner cette musique à l'envers? Si vous avez fait cet exercice, sans doute vous avez trouvé le résultat suivant. Ça ne marche pas avec toutes les chansons, mais ces chansons qui sont ici, quand on renverse ces musiques-là, on trouve quelque chose de vraiment inquiétant. Des messages ou encore des paroles qui sont des adorations aux démons. Regardez bien. Quand on écoute et qu'on renverse la chanson, voici ce que ça donne. Ça donne, oh démon. Ça, c'est une chanson qui a été prise. Après l'avoir écoutée, les gens l'ont renversé avec le logiciel bien adapté, bien approprié, vous voyez. Et ça donne, oh démon. Et on écoute encore une autre musique. Ces chansons, voici les paroles de ces chansons qui sont là même devant vous. Et on peut voir de façon normale, c'est écrit, je parle de rue car j'y ai baigné. Même si j'y suis beaucoup moins. Je t'écris du bloc avec gâteau, bateau, bouc, M-Wen. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? On va plus loin. On voit, il y a du son. On dit, il y a du son de la chatte. De la chatte. La chatte, c'est quoi? C'est le sexe d'une femme. Bien défini. On dit, il y a du chatte. Du shit. Du shit, c'est quoi? Ça doit être des stupéfiants. Il y a le 9, c'est pas ce que ça veut dire, le 9 de I dans le coin. Grosse beat. Tout ça dans une chanson. Tout ça sur les paroles d'une chanson, mes frères et sœurs. Et les gens écoutent ça matin, midi, soir.
Ah, qu'est-ce que c'est? Et on dit qu'on respire dans la chatte du smic, coup de pied retourné dans le coin. Ça. Et quand on renverse cette histoire-là même, quand on renverse ces paroles bizarres que nous venons d'entendre, vous verrez maintenant ce que ça donne. Ça donne comme un renoir XXX qui leur revient vite. Ce démon, regardez bien, on lisait bien, ce démon m'a demandé juste prendre mes enfants, j'ai tous tes chocos dans ma. Allah a beau les garder. Elle m'a dit, vends-moi ce son-là, sinon tu l'avales. Et refuse tous les religieux existent. Refuse tous les religieux existent. Donc tout ce vacarme que nous venons d'entendre précédemment là, que nous venons de lire là, c'est le résultat de ce qu'est là de la version renversée. Ça veut dire que quand vous écoutez la chanson, vous comprenez la chose bizarre. Et on nous parle de ce démon. Il y a certaines chansons carrément, quand vous allez les écouter, vous allez entendre le diable, quelqu'un chante pour le démon, quelqu'un chante pour le diable. Et mes frères et sœurs, ça, ce n'est juste qu'un aperçu hein, de ce que nous allons maintenant vous montrer. Parce que ce que nous allons maintenant vous montrer, ça va même vous étonner. Ça risque même de vous faire peur. Quand on parle des rituels, puis surtout de la musique, voici ce que ça donne. Déjà, regardez comment l'industrie de la musique aujourd'hui se présente. Ça se présente comme suit, les gens acclament, les gens sont là, en train toujours d'acclamer, ils applaudissent pour rien, pour tout, pour rien, les gens applaudissent et c'est le show qui commence, voilà, les gens se lèvent, c'est ça hein? Vous devenez star. En même temps, vous remarquez que il y a une porte qui s'ouvre à vous, il y a cette porte là, c'est cette porte là que beaucoup d'artistes empruntent et se retrouvent dans l'occultisme, dans le satanisme. Et ils font du satanisme dans la musique. Et ce gars-là, il est habillé comme un gars qui est déjà mort. Et ça, c'est le domaine des ténèbres. Vous voyez? Et ici, on nous dit, some people, on nous dit, lisez bien, some people believe in God and they believe that their God is Satan. Lucifer veut l'être bien rire. Regardez ici, qu'est-ce qu'on nous dit en bas? En dessous également, on nous dit, dans la tradition, certaines personnes croient en Dieu et ils croient que leur Dieu est Satan. Lucifer, le porteur de lumière. Ça veut dire que vous allez voir des gens chanter dans l'industrie de la musique. Ou bien ils vont chanter, vous allez voir des chansons. Ils vont parler de Dieu, 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 Dieu. Et ils vont vous dire que eux, ils respectent Dieu. Mais en réalité, leur Dieu pour eux là, c'est qui? C'est Lucifer, Satan. C'est là où vous devez faire très attention. Quand on va plus loin, on va maintenant découvrir des choses des ténèbres. Des choses des ténèbres auxquelles on assiste aujourd'hui, c'est ça. La multiplicité des signes symboles occultes parmi nous. Ça, c'est la multiplication des symboles occultes. Beaucoup de symboles occultes dans la discussion de la musique. Et ça, c'est pas pour rigoler. Ça, ce n'est pas de la blague. Et c'est le monde qui est perdu. Et le monde est quasi perdu. L'occultisme et le satanisme dans la musique, c'est exactement ça, c'est ce que ça donne. Et on voit un serpent qui est là. On voit en même temps cet œil qui est là. En même temps, on voit ça. En même temps, on voit tous ces symboles que vous voyez à l'écran.
Dès que vous retrouvez cela dans un clip, faites très attention. Ça, c'est encore un autre signe satanique. Et il y a du 666. Par-ci et par-là. Mes frères et sœurs, à ce niveau de la compétition, nous vous posons cette question. Avons-nous toujours besoin de vous rappeler que le 666 est égal à la marque de la bête et que toutes les personnes qui vont accepter la marque de la bête seront tout simplement en train de se préparer à aller en enfer parce que la marque de la bête inscrite sur quelqu'un fait de cette personne un serviteur du diable. Et ici, voici comment les gens arrivent à adorer le diable et la marque 666 sans le savoir. C'est au travers de ces signes formés avec la main. Regardez. Ces signes, vous allez les voir être formés par beaucoup d'artistes, beaucoup de superstars, par tout le monde aujourd'hui. Mes frères et sœurs, quand une superstar signe un pacte avec les démons leur demandent absolument de représenter tout, de représenter les signes qui se trouvent même sur le camp. Parce que s'ils ne représentent pas ça, ils auront des problèmes parce que ça fait partie du pacte. Ça veut dire que là où vous verrez tous ces signes-là être dessinés, il y a la présence des démons et le diable là. De toute façon, un crâne comme ça n'est pas supposé représenter Dieu ou encore la vie. Ça, ça représente déjà la mort. Et tout ce que nous sommes en train de vous présenter ici, c'est pour vous prévenir que ces choses sont réelles. Et ça, c'est carrément une page, un site web où on apprend aux gens à faire de la sorcellerie, à faire de la magie. On vous explique même ce que signifie le serpent. On vous explique aussi ce que signifie l'éclair. L'éclair. Ça, nous savons tous ce que ça signifie. Satan tombé du ciel comme un éclair. Et c'est pas tout. Il y a encore plein de symboles occultes que les artistes, les célébrités, les personnes qui sont dans l'industrie de la musique doivent absolument connaître, découvrir. Et beaucoup vont apprendre ça sur les réseaux sociaux, sur Internet. Ils vont apprendre comment on fait de la sorcellerie, comment on fait de la magie, juste pour envoûter les gens, juste pour envoûter les fans, juste pour gagner des âmes, c'est-à-dire gagner des fans, gagner le cœur des fans au travers des musiques envoûtées et vendre plus tard, donner plus tard les fans comme offrande au diable ou au démon. Et c'est ce démon-là qu'on appelle Baphomet là, qui est celui-là même qui est dans ce business. C'est lui-là même en général qui donne du succès à beaucoup de célébrités. Vous voyez? Et cette page-là parle de tout ce qui est satanisme, tout ce qui est occultisme. Et il y a plein de choses qui sont en train d'apparaître. Le 666, on dit « is the kabbalistic quad of the sun 666 ». Mes frères et sœurs, c'est la marque de la bête. Mes frères et sœurs, c'est réel, regardez de vous-même. Tout est apparaît sous vos yeux. Tout ce que nous avons raconté au travers des conseils d'amis sont en train d'apparaître clairement sous vos yeux maintenant. Tu as porté une bague où il y a une tête de mort. Tu penses que la tête qu'elle a, c'est pour ça, c'est pour rien. Jamais. Ça, c'est un symbole occulte. Ça signifie quelque chose dans le monde des sorciers. Et il y a aussi la croix renversée. Ça a une signification. Tous ces symboles que nous sommes en train de voir même sur cette page sont étudiés par les nouveaux sorciers, les nouveaux magiciens. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que les gens qui sont dans l'industrie de la musique, qui signent des pactes avec le diable, ce sont des sorciers d'abord. Après l'étape de sorcellerie, ils vont entrer dans la magie, dans l'occultisme, dans le satanisme. Ça va grandir comme ça. Est-ce que vous comprenez? Et ces gens-là, ils vont étudier tous ces symboles que vous êtes même en train de voir ici, comme les croix renversées. Ils étudieront tous ces symboles parce que dans leurs clips, ils seront amenés à les reproduire là. Et ça aura des effets
sur les champs. Ils ne le feront pas pour rien. C'est pour un but bien précis. C'est réel, mes frères et sœurs. C'est réel. Regardez. Vous pensez que c'est un hasard? Il y a des sectes. Il y a des gens qui dirigent le monde, qui sont dans l'occultisme, dans les bains noirs. Ils appellent même des bains noirs très noirs. Il y a l'occultisme. Il y a le satanisme. Ces choses sont réelles. Et quand ça apparaît devant nous, on a du mal à y croire. Il y a beaucoup d'images pas trop jolies ici. C'est pourquoi nous préférons vous montrer les éléments par élément. Devant une femme sexy se trouve ça. Si toi tu vois une femme sexy dans un clip et tu la regardes, il faut savoir que ce qui est invisible là, cette panthère noire. Qui est censé représenter aussi le lion, qui est le diable, qui vient pour dévorer. Et cette panthère est vraiment prête à dévorer quelqu'un ici. Tu vas regarder la femme. Ça veut dire que le diable va utiliser les clips pour combattre les gens. Non seulement pour combattre la parole de Dieu, combattre les chrétiens, et combattre également les gens. Tu vas regarder une fille comme ça, elle est sexy, regarde comment elle est habillée. Toi, automatiquement, tu vas te dire que tu as eu une femme sexy. Vous voyez les gens, maintenant, vous me regardez comme ça. Peut-être que tu la regardes là, il y a un mauvais esprit qui est là, qui cherche à te dévorer. Et ton âme est en train d'être consommée sans que tu te rendes compte. Mes frères et sœurs, faites très très attention. Et il y a plein de symboles occultes dans les clips. Ça passe rapidement la plupart du temps. Ça passe à une seconde, deux secondes, ça va tellement vite. Regardez, mais vous voyez, on voit un homme qui est dans un symbole occulte, avec un triangle juste là. Pourquoi se trouve-t-il au milieu? Il a bien évidemment étudié, lui c'est une star de la musique. Donc cette personne a étudié ça, parce qu'elle devait l'étudier. Puisque elle sera amenée à un moment donné à utiliser tous ces symboles là dans ses clips pour montrer son appartenance au monde obscur, au monde des ténèbres. Est-ce que vous comprenez? C'est pas fait au hasard. Les femmes nues que vous voyez dans les clips ne sont pas faites au hasard. Ces femmes nues ou sexy, très sexy que vous voyez là, ce sont des femmes qui sont utilisées juste pour vous attirer. Regarde, quand tu veux pêcher du poisson, qu'est-ce que tu fais? Tu mets quelque chose sur la maison, non? Pour pouvoir attirer les poissons qui sont dans l'eau là, tu cherches à les avoir. C'est exactement ça. Comme vous avez vu la panthère, c'est exactement ça. Et les gens vont vous amener, surtout les jeunes, à ne plus aimer Dieu. Et ce sont les artistes qui sont dans le monde des ténèbres, qui chantent pour le diable, qui sont même à la base de tout ce qu'on appelle problème sur les jeunes. Parce qu'il y a des démons qui contrôlent la jeunesse. Et ces démons qui contrôlent la jeunesse, là, ils le contrôlent au travers de la musique et aussi au travers de la pornographie. Et c'est pourquoi il y a des femmes nues comme ça. Vous voyez, ça passe image par image, mais ça frappe ton esprit. Ça passe image par image, mais ça frappe ton esprit. Une seconde, ça passe vite, non? Une seconde, tu vas voir, ça passe tellement vite. Pendant ce temps, il est dans ce cercle-là et il est en train de chanter. C'est un triangle. Ça fait partie des symboles occultes. Et ce symbole-là est très utilisé. C'est un symbole dangereux. Mes frères et sœurs, tout ce que nous sommes en train de vous montrer même ici, ça, ce n'est encore rien. Ce n'est que la première partie. Ce n'est que la première partie. Et vos yeux doivent s'ouvrir grandement comme ça. Regardez. Vos yeux doivent s'ouvrir. On parle de l'argent. L'argent. Et ils font de ces signes avec les doigts. Vos yeux doivent grandement s'ouvrir comme ça. Vous voyez? Et on voit également quoi ici? Cette tête de mort sur le vêtement. Vous pensez que c'est pour rien? Ça correspond exactement à ce qui se trouvait sur la page web où on apprend aux gens à être sataniste, à être des sorciers.
Mes frères et sœurs, toi tu es un chrétien. Ça, ce n'est pas ton affaire. Toi, tu ne dois pas aimer ces choses. Parce que si tu aimes l'occultisme, ou tu aimes quelqu'un qui transporte la magie sur lui, tu as des problèmes. La personne peut te dire que, oh, ne t'occupe pas de moi, ne t'occupe pas de mon comportement, mais écoute juste ma musique. Mon frère, mes frères et sœurs, faites attention. Quelqu'un qui chante, même s'il chante pour donner des conseils, et que vous voyez dans ses, si vous voyez dans ses doigts beaucoup de bagues, et que si ces bagues-là, si ces bagues, il y a des têtes de mort comme ça, ne suivez pas la personne. Parce que la personne est un danger pour vous. La personne au service du diable. Et son travail, c'est de conduire les âmes en enfer exactement comme le diable, parce que le diable n'a plus de temps. Et mes frères et sœurs, toutes ces choses sont réelles. Toutes ces choses sont réelles. Nous cherchons encore des éléments et nous allons vous montrer. Vous allez voir qu'il y a la boisson. La plupart du temps, ils vont prendre de la boisson comme ça. Juste de la boisson, vous allez voir. Vous allez voir de la boisson comme ça. On verse de la liqueur et tout le monde est content exactement comme ça. Et on voit sur la boisson 666. Mes frères et sœurs, il y a des codes. Même sur l'ordinateur, quand tu tapes ça, pour avoir le ultramar, tu dois faire un alt. Un alt qui est ici. Plus 3 fois 6. Ici, 3 fois 6. Pour obtenir ce ultramar. Et c'est ce ultramar là qui est ici. Ce ultramar sur le vêtement, c'est ce qui donne 666. Voyez-vous? Et la boisson, l'alcool, toutes ces choses, ça correspond au 666. Et voici encore un autre clip où on voit quelqu'un qui est bien armé comme ça. Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut faire? Mes frères et sœurs, c'est ça. Ça, c'est quoi? C'est dangereux. Tu vas penser que c'est dans les films seulement que ça se passe. Moi, aujourd'hui, même dans les clips, ça se passe. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Il y a des symboles occultes. Les gens utilisent leurs doigts pour faire des 666. Même que leur manière de danser, ça fait de ces signes, des symboles bizarres. Tu ne comprends pas. Toi, si tu représentes tous ces symboles-là avec ta main, les images qui sont des défilés en ce moment sont des images tellement sales qu'on ne peut pas tout vous montrer ici. Ce sont des choses terribles. Regardez, par exemple, si on voit un homme qui est en train de se faire laver la main avec, si ça passe de l'eau, mais c'est de la boisson. Et cette femme, elle n'est pratiquement nue. Et tout ça, ce n'est pas fait pour rien. On dit, il y a un artiste célèbre qui nous a parlé, nous a dit que les clips ne sont pas seulement des clips. Ce sont bien évidemment des clips, mais avec des symboles subliminaux. Les symboles subliminaux sont des symboles ou encore des messages cachés. Il a dit même des messages subliminaux. Et ce sont des messages cachés. Regardez par exemple ça. Est-ce que vous savez ce que ça c'est? Savez-vous ce que c'est? Savez-vous ce qui se passe ici? On ne sait même pas ce que c'est. D'où ça vient? On ne sait même pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? On ne sait pas. Mais, quand on regarde, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Et regardez comment les gens sont habillés. Et en même temps, on détecte le même symbole qui se trouve sur la page web des occultistes. Et ce symbole, on dit « satanique cause ». Ça veut dire que ça, c'est la croix satanique. C'est une croix satanique. La vraie croix n'est pas comme ça. Ça, c'est une croix renversée. Et tout le monde sait ça aujourd'hui. Et regardez comment elle est. Tout ça dans un clip. Dans un clip que toi, tu vas regarder. Tu vas même regarder. Avec des symboles occultes présentés. Vous pensez que c'est pour rien? Ce sont les enfants. C'est la jeunesse, c'est nous tous qui sommes visés par cette affaire. Le diable veut avoir des gars, des gens qui vont le suivre. Et que voyez-vous ici? Ce même œil apparaît là. Un œil est caché, un autre œil est ouvert. Et eux, ils appellent cet œil l'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout, mes frères et sœurs. C'est un symbole satanique. Il n'y a pas 36 solutions.
Et il est exposé dans les clips. Ce qui m'a choqué même ici, là. Vous allez voir. Regardez bien. Vous allez voir ici. Vous allez voir tout de suite. C'est... Oh, ça passe vite. Il faut qu'on arrête. Nous allons vous montrer. Mes frères, nous devons montrer les vraies choses. Attendons un peu, juste un peu. Voilà. Que voyez-vous? On voit une femme qui a juste là arrêté. Et c'est dans un clip. On dit que leurs clips n'est pas, ne sont pas des simples clips. Ce sont des clips avec des messages subliminaux. Des messages subliminaux accompagnés de symboles sataniques. Ça veut dire quoi? Un message subliminal, c'est un message caché. Et ce message qui sortait de véhiculer là, c'était un message qui incite les jeunes à se rebeller contre le Créateur et à aimer le diable avec ses symboles occultes. Le diable et ses démons, puisqu'il y a beaucoup de symboles occultes aujourd'hui. Vous comprenez? Là, c'est une guerre spirituelle qui est déclenchée contre les gens. Mais les gens pensent que ces gens-là sont là juste pour leur faire plaisir. Il y a des gens qui ont été trompés par le diable. Et ce sont ces gens-là qui sont dans l'industrie de la musique, qui sont en train de faire leur travail. Ça, c'est la première partie. Il y aura encore d'autres vidéos qui vont venir. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, mes frères et sœurs. Il ne manque pas les prochaines vidéos. Vous avez compris. Là, nous sommes d'accord. Activez la cloche, ça va beaucoup vous abonner. Comme vous pouvez le voir, cette femme, elle est ici, là, tranquillement. On va dire quoi? On va dire qu'elle est habillée tranquille. Elle est même tentée de vous regarder. Elle est en train de nous regarder. En même temps, vous allez voir que elle a fait un truc qui va attirer votre attention, pas sur son visage, mais vers un autre endroit. Là, comme elle, comme de la manière dont elle est arrêtée ici, vous, comme vous la regardez, vous cherchez à regarder quoi? Son visage. Vous cherchez juste à regarder son visage. Mais quand elle va faire ça, waouh! Que cherchez-vous à regarder? Est-ce que c'est tout son visage? Ce sera plutôt ses cuisses. Ses cuisses. Ou ses fesses. Mais frère, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un sort qui est lancé. C'est l'envoûtement. Les enfants qui vont regarder ça, ils seront dans les problèmes. Le diable, et franchement, et ce sont les enfants qui regardent ça. La télévision, ça passe à la télévision matin, midi, soir. Et regardez, ça continue. Le diable ne veut pas s'arrêter. Tant qu'il y a des humains sur la terre, il continuera à faire ses business. Il continuera à faire ses shows, à faire toutes ces choses, avec toujours des symboles occultes. Regardez son œil qui est là. Et c'est pas tout. 666, revenons juste un peu en arrière. 666, exécuté avec ses doigts ici. Comme vous le voyez ici. 666 ici. Plus un œil. C'est-à-dire que elle-même, cette personne qui était chantée là, elle est devenue une marionnette ou une personne que le diable lui-même va utiliser pour publier ses symboles occultes et amener les gens à les représenter aussi. Regardez bien tous ceux qui sont tous. On va dire que ce sont des sorciers qui sont dansés, accompagnés d'une sorcière. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est qui un sorcier? Un sorcier, c'est un gars aussi qui lance des sorts. Et ce gars est habité par un démon. Tout ce que ce démon veut faire, c'est ce qu'il fait. Et ce démon-là, son but, c'est de détruire les gens. C'est de tuer les gens. Parce qu'il a besoin de sacrifices. C'est pas fait pour rien. Et 666 encore exécuté avec le doigt, comme vous le voyez là. Et ça cache bien les yeux comme ça. Et on vous montre ça. On vous montre ça bien. Regardez encore, on vous montre ça bien. On vous le montre très bien même. Bien. Parfait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus d'excuses. Quand les démons voient que vous aimez ça, eux sont contents. Parce qu'ils se disent que ils vous ont eu. En plus, vous les aimez plus que Dieu. Waouh! Vous avez vu ce qu'elle a fait? Regardez très bien ça. Quand vous dites que c'est de la sorcellerie et c'est pour lancer les sorts, revenons juste un peu encore en arrière. Là, il y a un sort qui est lancé. Regardez là. Elle fait comme ça. Elle ferme son œil. En plus, elle lance sur quelqu'un. Comme si c'était un revolver. Regardez. Hein? Lance. C'est un sort. On dit lancer un sort. Au travers de la musique, on lance des sorts. C'est ça. C'est spirituellement parlant, ça affecte les gens. Sinon, physiquement, tu vas regarder, tu vas dire, oh, ça va. Mais quand tu as regardé la fille et puis tu as monté ses fesses,
ça t'a fait quelque chose, ça parce que ça a eu des effets immédiats. Mais tous ces symboles vont prendre forme dans la vie des gens de façon subconsciente, inconsciente. C'est dans ton subconscient que ça va se matérialiser. Hein. Regardez ça. Regardez bien. Un saut est lancé. Le show peut commencer. Et ils peuvent maintenant s'amuser parce que les gens sont déjà envoûtés. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Ils peuvent bien s'amuser maintenant parce que tout le monde est envoûté. On fait n'importe quoi. On fait tout ce qu'on veut. On pervertit la société. Tout ce qu'on a envie de faire. Ah! Mes frères et sœurs! Mes frères et sœurs! Qu'est-ce que c'est? De quel monde sommes-nous? La musique. Est-ce que c'est fait pour rigoler? Est-ce que c'est fait pour nous amuser? Si c'était fait pour nous amuser, on ne ferait pas encore ça. Qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est vous qui pensez que c'est de la blague. Quand nous vous disons que c'est la sorcellerie et que ça correspond à une arme, la musique aujourd'hui est utilisée comme une arme. Et les clips sont des bombes. Regardez. On vous montre ces choses bizarres à la télévision et vous ne comprenez pas. Parce qu'aujourd'hui, le diable va emprisonner les âmes des gens dans des cages. Regardez ça. Regardez ça. Regardez où le diable va emprisonner les âmes des gens. Vous venez juste pas en arrière, ça passe vite, mais vous allez voir. Le diable va emprisonner les gens dans des cages. Vous allez le voir, les cages là. Les âmes tenues captives dans les cages. C'est-à-dire que toi, quand tu commences à aimer ces choses que même tu as, idolâtre tous ces gens, des personnes qui sont dans l'occultisme, qui ont signé des pactes avec le diable, automatiquement, toi, ton âme est emprisonnée dans cette cage qui est ici, là, quand on te montre. Elle-même, il ne se fatigue même pas. Il te montre clairement. Elle-même te montre directement le processus. D'abord, ils vont te faire aimer les symboles. Ils vont te faire aimer la musique. Ils vont choisir une personne qui chante très bien pour pouvoir bien t'attraper. Et t'emprisonner dans cette cage. Et c'est ça que ça doit donner. C'était le diable qui était derrière. Abonnez-vous pour la prochaine vidéo. Nous en parlerons. Regardez ça. Est-ce que ça c'est joli? Cette vidéo n'est pas terminée, mes frères. Je suis même chaud pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous, nous en parlerons. Même demain. Demain, on continue le show. Que Dieu nous donne la force et il dispose tout. On va le faire. Abonnez-vous. Partagez cette vidéo au maximum. Et soyez prêts.